Ah, ça, c'est ton verre. Ça, c'est le verre de ta copine. Alors, à ton avis, dans quel verre il y a le plus d'eau? Alors, regarde. Maintenant. Est-ce que tu trouves toujours qu'elle a plus d'eau que toi dans son verre? Non. Ah, finalement, c'est moi qui ai le plus d'eau. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais se comparer aux autres. Ne jamais penser que les autres, ils ont plus que toi. Parce que ce que tu as vu tout à l'heure dans le verre, c'est ce que tu as vu avec tes yeux à toi de l'extérieur. Bon, en vérité, tu vois, quand on a changé de verre et qu'on l'a mis dans un verre plus grand, et tu vois que c'est toi qui avais plus d'eau finalement dans ton verre. Oui. En fait, quand on regarde de plus près la vie des gens, on s'aperçoit que c'est pas ce que l'on croit. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a. Tu vois, ce que tu as dans ton verre. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a dans la vie. Et ne pas regarder dans le verre de l'autre ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Est-ce que il y a des choses qui te rendent heureuse dans la vie? Oui. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'aiment. J'ai de la chance d'avoir des frères et sœurs. J'ai de la chance de bien travailler à l'école. Ah non, c'est important ça aussi. J'ai de la chance de manger à ma faim. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas assez à manger. J'ai de la chance d'avoir plus d'eau dans mon verre.